cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler crayon de couleur. Du coup, ça devait être un live, mais bon, internet pourri, voilà. Du coup, je vous fais une vidéo classique. Et aujourd'hui, on va parler de deux gammes de crayons de couleur, donc qui sont quand même petit budget, que j'ai reçus. Et je voulais tester ça avec vous. Alors, ceux-là, je les ai pas mal vus tourner sur les chaînes américaines, canadiennes, tout ça. Apparemment, c'est des dupes des Prismacolor, ils sont géniaux, tout ça, tout ça. Donc bon, voilà, je me suis dit, ah, on va tester. Donc c'est les Arctics, franchement, je ne sais pas comment prononcer ça. Il y a 72 couleurs, la boîte est franchement trop mignonne. Et on va tester aussi donc, les Arteza classiques. Donc ceux-là, par contre, j'en avais pas du tout entendu parler. Et c'est ma copine Mélissa, donc de la chaîne Colorfila, qui m'a dit qu'ils étaient sortis. Voilà, du coup, comme on se tente pas mal l'une et l'autre, là, bah, du coup, je les ai commandés. Donc, c'est 50 crayons pastel. Et cette fois-ci, donc, de la marque Arteza. Donc, il y a plusieurs gammes chez Arteza. C'est la gamme classique. Et voilà un petit peu le nuancier. Donc moi, voilà, vous savez que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps les pastels de chez Castle Art. Et cette fois-ci, on va tester les Arteza, sachant que le nuancier, bon, ça a un petit peu la même le même genre. Mais bon, il faut dire aussi que les pastels, ça reste des pastels, quoi. Il n'y a pas 150 000 nuances de pastels, donc ça, c'est normal. Mais on va voir s'ils sont plus gras ou pas que les Castle Art. Donc moi je vais vous montrer les crayons, là ils sont dans la boîte, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai reçu ma commande en double, c'est la deuxième fois que ça m'arrive sur Amazon US, je reçois deux fois mes colis. voilà, donc bon, on pourrait se dire que c'est trop cool, j'ai eu deux boîtes pour le prix d'une, mais après est-ce que j'ai besoin de deux boîtes? Je sais pas, bon vous me direz, ça me fera du stock. Mais ça m'a juste permis de vous montrer les emballages, comment c'était. Et du coup, on va passer tout de suite au crayon une fois qu'ils sont ouverts. Donc moi perso je les ai mis en trousse puisque les boîtes sont pas pratiques, franchement c'est pas le genre de boîte qu'on peut garder, on est obligé de les foutre en trousse parce que sinon pour choper les crayons c'est pas facile. Donc on va commencer le test par les Arteza pastel, donc ils sont juste ici. Vous avez le nuancier qui est là, qu'on regardera juste après. Déjà en termes de prix, donc les Arteza ils sont à 19,99 $, donc bon, 20 $ quoi, c'est vraiment pas cher. 20 $, ça fait quoi, 19 € pour 50 crayons, c'est vraiment vraiment pas cher. Je crois qu'ils sont moins chers que les Arteza, mais il me semble que les Arteza ils sont un petit peu plus nombreux. De toute façon je vais aller les chercher et on va comparer ça. Déjà dans un premier temps on va regarder l'esthétique du crayon. Donc le crayon il se présente comme ceci. Il est en triangle. Donc ça, c'est pas une forme de crayon qu'on a l'habitude de voir. On voit souvent du rond, du hexagonal, mais du triangle assez rarement. Pourtant, c'est quand même assez pratique au niveau de la prise en main. Puisque du coup, comme les bords sont aplatis, c'est voilà, c'est pas mal. Et vous avez le numéro de la couleur juste ici et la gamme ici. Donc chez Arteza, moi, j'avais les... Je comprends pas trop leur délire chez Arteza parce que moi j'avais les Arteza Experts, mais là je vois il y a les Premium et les Pro Series. Donc j'imagine que les Premium et les Pro Series sont mieux, je sais pas, mais les classiques ils m'ont l'air pas mal. Déjà rien qu'au toucher de la mine, ça faisait déjà très gras, hein. On sentait que c'était gras. Après au niveau de la composition, j'ai pas trop d'informations, mais je pense qu'ils sont à base de cire. Parce que c'est écrit sur la boîte qu'ils sont, riches. Donc je sais pas. Je vais pas vous dire de bêtises. J'ai pas l'info. Si je la trouve, je la mettrai en barre d'infos. Mais là, comme ça, je sais pas. Donc bon. Je sais pas s'ils sont à la cire ou quoi. Moi, je dirais à la cire au toucher. Ils sont quand même assez gras. Donc écoutez, je vais vous montrer le nuancier. Et ensuite, on va les tester. Donc, je suis allée chercher d'autres crayons. Donc j'ai pris les Castle Art. Castle Art Pastel, donc ceux-là. Voilà. Et j'ai pris les Holbein Pastel. Comme ça, on pourra vraiment tester au mieux et comparer. Bon, pour être 100% honnête, j'ai aussi fait une pause biberon. Donc, si vous entendez des babillages de bébé et une peluche qui parle, voilà, c'est normal. C'est parce que vous ne la voyez pas, mais elle est juste à côté de vous.
Donc, pour revenir au crayon Arteza, donc voilà, j'avais dit qu'ils se présentaient comme ça. Je vous avais parlé du prix, donc ils sont à 20 $. Donc, par contre, c'est que sur Amazon US. Ils sont pas encore dispo sur Amazon France. Mais franchement, sachez que Amazon US, c'est 100%. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Vous n'avez même pas à vous recréer un compte. Vous allez juste sur le site. Vous tapez les Arteza, vous tombez dessus, ou alors vous passez par le lien que je vais vous mettre en barre d'infos, et ensuite vous n'avez plus qu'à passer votre commande exactement de la même façon que sur Amazon France. Les frais de douane ou quoi que ce soit sont déjà inclus dans le prix des frais de port. Et au niveau des frais de port, vous avez deux choix, un choix qui met 10 à 15 jours et un choix qui met 2 jours. Un peu comme sur Diamond Art Club finalement. Voilà, donc moi personnellement j'ai pris les frais de port les plus rapides et ils sont à environ 10 à 15 $. Mais si vous n'avez pas envie de payer des frais de port, bah, sachez que vous avez quand même le choix. Voilà, donc ça c'était pour la partie commande. Et maintenant on va passer donc au nuancier. Donc le voilà. J'ai fait ça sur du papier quand même de bonne qualité, hein. C'est un papier assez épais. Et on va tout de suite le comparer donc au nuancier des Pastel Tints de chez Castel Art. Et franchement, je me suis rendu compte tout de suite qu'ils étaient déjà plus pigmentés à l'application. Ça se voyait dès le départ. Après, au niveau des teintes, il y a quand même. Ah non, j'allais dire, il y a plus de teintes chez ceux-là. Mais non, puisque là, je vois qu'il y en a 48 et nous, il y en a 50. Donc, il y a plus de teintes chez Arteza. En plus, ils sont moins chers, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je re-regarde, mais il me semble qu'ils sont moins chers ou à peu près pareil. Donc ouais, première application, j'ai préféré direct les Arteza. Ils étaient plus pigmentés et plus gras. Voilà, donc on va tester ça quand même sur du papier. Au niveau du nuancier, je trouve qu'il y a quand même des similitudes. Encore une fois, on retrouve des roses, des pêches, des violets lavande, des verts, un jaune moutarde, des gris. Voilà, bon, c'est un peu tous pareil. J'ai pas le nuancier des Holbein sous la main, mais bon, je vous avais déjà dit dans la vidéo sur ces crayons-là que c'était quasiment le même. Donc bon, voilà, c'est à peu près pareil. On sait qu'il s'inspire quand même pas mal des Holbein pastels. Maintenant, encore une fois, bon, les teintes pastels, c'est des teintes pastels, donc on ne peut pas trop leur en vouloir. Alors, passons au test. Donc, je vais prendre mon petit carnet de feuilles. Désolée si je fais bouger la caméra, c'est juste que j'ai un trépied qui est juste au-dessus de moi et des fois, j'ai tendance à shooter dedans. Alors, quelle couleur on va prendre? Je ne sais pas. J'aurais bien dit un petit dégradé de bleu. Bleu vert là. Ça peut être pas mal ça. On va prendre ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est le A520 et le A620. Et on va tester ça tout de suite. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que j'ai même pas eu besoin de les retailler parce que des fois, les crayons, ils sont vraiment pas trop taillés. Est-ce qu'on va voir? Oui. Donc déjà, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'ils sont vachement gras. Donc ça, c'est cool. Alors après, on n'est pas sur du gras Prisma. Hein, mais bon, de toute façon, je pense qu'à part les drawings et les Prisma, rien n'est gras comme eux. Mais ils sont quand même gras. Ils glissent super bien sur le papier et ils sont hyper pigmentés. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a sauté aux yeux. Ils sont super pigmentés. Enfin, franchement, top. Donc là, je vais essayer la deuxième teinte. Regardez-moi cette pigmentation. Franchement, pour 20 $, ça vaut le coup. Et en plus, la couleur est sublime. J'ai pas essayé les Broadfenor Macaron, mais bon, j'imagine qu'ils sont bien, parce que les Broadfenor sont bien. Donc là, je vais tenter un dégradé. Bon, bah, j'ai envie de dire que ça se dégrade très très bien. Franchement. Zéro problème. Est-ce que vous voyez la démarcation? Pas du tout. Vous voyez qu'il y a un léger résidu, donc ça c'est un peu chiant, mais c'est un bon signe. Ça veut dire que le crayon est effectivement gras. Voilà. Vous voyez que je vous raconte pas des conneries. Il y a de la poussière, c'est parce que donc le crayon est gras. Donc je confirme, je pense que c'est à base de cire. Donc franchement, ils sont super bien. Là, comme ça, j'aime beaucoup. Bonne pigmentation, bon dégradé.
J'ai repassé plusieurs couches, ils n'ont pas l'air de saturer en 2 secondes, donc ça c'est cool. On va tester tout de suite avec les Castel Art. Donc, je vais prendre des teintes similaires, à savoir ces deux-là, je pense. Enfin, c'est pas tout à fait pareil, on s'en rapproche. Alors. Donc, au niveau de la pigmentation, franchement, ça se vaut. Mais alors, je trouve qu'au niveau du crayon. Ah non, celui-là, il est un peu. Ils sont un petit peu plus secs. Ouais, ils sont un petit peu. Je sais pas en fait comment expliquer, mais les. En fait, c'est chiant parce que du coup, quand je mets ma main, la caméra fait la mise au point sur ma main. Du coup, c'est flou. En fait, je sais pas comment expliquer, mais les artisans, ils glissent mieux sur le papier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait moins de. Vous voyez, ça accroche moins. Regardez. Là. Et là, j'appuie quand même. Hein. L'Arteza, il glisse vachement bien sur le papier. Ben alors, qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est de toi qu'on parle. Merci, hein. Oh. Bon. Voilà, hein, désolé. Donc vous avez franchement une meilleure... je trouve que ça accroche mieux le papier. Donc là, c'est mon avis. Et sur celui-là, il est un petit peu plus sec, celui-là, que le foncé. Non, ça arrive, ça, des fois. Ouais, non, celui-là, il est carrément plus sec. Bon, c'est pas la même teinte, hein, mais bon. Ah, franchement, non, mais Arteza, il glisse bien sur le papier, ça, c'est cool. J'ai pas autre chose qui ressemble un peu mieux, là. C'est ça. Ça devrait être pas mal. Alors là, on a du Arteza qui, encore une fois, glisse super bien sur le papier. Et là, on a le Castel Art qui accroche un peu plus. Mais bon, il est aussi bien au niveau de la pigmentation. Franchement, c'est pas mal, hein. Les deux sont bien. Après, je trouve que le Arteza est un peu plus gras. Alors, c'est léger, mais un petit peu plus gras. Maintenant, on va voir au niveau du dégradé. Alors, voyons voir. On va essayer de dégrader celui-là. Donc, le Castel Art. Bon, après qu'on commence du plus clair au plus foncé, ça n'a pas d'importance. Tac. Voilà pour ça. Et ça, c'est le Castel Art. Là. Et on va faire l'Arteza. J'ai pas l'habitude des crayons en triangle. Franchement, il se mélange vachement mieux, je trouve, les artisans. Voilà, donc moi je trouve que le mélange est quand même plus sympa sur celui-là. On voit carrément pas du tout la démarcation, alors que là, ouais, légèrement. Donc franchement, pour 20$, il y a plus de teintes. Ils sont quand même gras, ils glissent super bien sur le papier, ils sont pigmentés, ils se mélangent super bien. Franchement, si vous cherchez une gamme de crayons pastel et que vous n'avez pas envie d'investir dans du cher, vous n'avez pas envie de passer par des sites genre, comment ça s'appelle là, AliExpress, et ben n'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment très très bien. Alors maintenant, je peux quand même vous passer un coup Goldbane pour voir la diff. Et ensuite on va passer au Artix, je sais pas comment dire. Alors, voyons voir, on va essayer de prendre ces deux là, chez Goldbane. Ouf, ouais, bon, on est d'accord.
la pigmentation est bien meilleure chez Holbein. Par contre, je trouve que ils accrochent un tout petit peu le papier. Les Arteza sont pas plus gras, les Holbein sont plus gras, mais je trouve qu'ils glissent, ils glissent tellement bien. Les Arteza sont papier, c'est assez waouh. Bon, voilà, les Holbein sont nettement meilleurs, mais bon, faut dire aussi qu'il y a le prix qui va avec. Mais franchement, ça se défend pas mal. Voilà, donc bon. Franchement, moi je trouve que c'est quand même pas si mal que ça à côté de Holbein. Franchement, vu la différence de prix, c'est pas mal. Donc bon, écoutez, c'est quand même moins gras que des Holbein, ça c'est sûr, ça se mélange un peu moins bien. Mais pour le prix 20$, c'est franchement pas mal. Moi j'aime beaucoup, je regrette pas du tout mon achat. Surtout que bah, vous savez, j'adore tout ce qui est teint de pastel, donc franchement, pour les petits colos d'été, ça va super bien. Alors, on va passer à la suite et du coup, on va passer au Arx. Je sais pas comment on dit. Ben bref, vous avez compris, les crayons qui se présentent dans cette boîte-là. Donc, apparemment, ces crayons-là sont, d'après les Américaines, les dupes des Prismacolor. Ils sont géniaux, ils sont merveilleux, ils sont magnifiques. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Donc, on va tester ça. Forcément, ça a attisé ma curiosité. On va changer de page. Donc déjà, vous avez 72 teintes, le nuancier est juste là. Alors, déjà dans le nuancier, j'ai trouvé que c'était pas le meilleur nuancier qui existe. On va être honnête. J'ai oublié de dire, mais il est double page. Hein. Déjà parce qu'il y a du métallique et du silver, donc bon, ça me fait chier. Bon, je suis un peu vulgaire, mais ça m'embête. Parce que personnellement, je m'en sers pas. Après, il y en a peut-être qui s'en servent, mais moi, je m'en sers pas du tout des silver et des gold. Donc, arrêtez de nous mettre ça. Franchement, mettez-nous 2 roses supplémentaires à la place. Je trouve qu'il y a trop de jaune. Il y a beaucoup trop de jaune. Franchement, avec des jaunes qui se ressemblent pas mal au niveau de ces teintes-là. Là, le lemon yellow et le yellow chartreuse, c'est quasiment les mêmes. Donc, pas super, super intéressant. Par contre, il y a de très très jolis violets, il y a des beaux verts, il y a des super beaux verts, il y a un vert très foncé, donc ça c'est cool. Il y a un espèce de gris vert là, c'est intéressant. Ouh là là, ma fille fait des vocalises. Donc il y a ensuite pas mal de marrons et des gris, très sympa. Donc ça c'est cool. Mais franchement, le nuancier est pas mal, mais il y a trop de jaunes quoi. C'est quoi tous ces jaunes? Franchement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Il y a 12 jaunes sur 72. C'est énorme. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 bleus. Allez, 11, si on compte celui-là. Franchement, il y a autant de jaunes que de bleus. Je trouve ça bizarre. Mais bon, pourquoi pas? Mais en tout cas, sur le papier, déjà, on peut voir qu'ils sont très pigmentés. Et rien qu'au toucher de la mine, ils étaient gras. Alors, parlons esthétique du crayon. Donc, au niveau du prix. Oui, d'abord, je vais vous donner le prix de ces crayons-là. Où est mon petit papier? Donc, ceux-là, ils étaient à 29,99€. Donc ils sont à 30$, donc la boîte de 72, donc encore une fois, petit prix. Bon, après, c'est la même chose, faut compter les frais de port comme ça vient des States, mais bon, au pire, moi j'en ai pour 60$ les 2 boîtes, plus les frais de port. Donc franchement, rien à dire, ça va, et en plus, j'ai reçu en 2 jours. Je crois qu'Amazon France, ils n'auraient pas fait bien mieux. Donc franchement, n'hésitez pas, si c'est Amazon US qui vous freine, allez-y les yeux fermés, parce qu'il n'y a aucun souci. Alors, au niveau de l'esthétique, donc c'est des crayons qui se présentent comme ça. Donc, ils sont ronds, un petit peu comme les Holbein et Polychromos, etc. Ils ont des petites étoiles argentées. Donc, ça, c'est Mims. Vous avez la marque et vous avez à chaque fois le petit nom de la couleur ainsi que sa référence. Voilà, que dire d'autre? Pas grand-chose. Déjà, on voit dans la trousse qu'il y a beaucoup de jaune. Hein. Alors, voilà.
Donc on va passer tout de suite au test, hein, parce que nous on a envie de savoir si oui ou non ils sont aussi gras qu'ils le promettent. On va voir, surtout que j'ai des Prismacolor juste à côté, donc on va pouvoir tester ça. Dis donc, ça suffit les vocalises ? Ah là là. Alors, pour le test, qu'est-ce que je vais prendre pour le test ? Je vais peut-être prendre du vert, parce que j'ai du vert sous la main, parce que je suis en train de faire mon colo du Roi Lion. Allez, on va prendre du vert. Oh là, je suis ravie. Elle fait jamais ça. Elle fait ça comme par hasard quand je fais ma vidéo. J'ai pas coupé mon montage. Hein. Tant pis. Vous aurez la vie réelle. Alors, voilà. Donc, je vais prendre des Prisma et je vais prendre les Artix. Je vais dire Artix. Hein, allez, on s'en fout. J'invente un nom s'il faut. Pas grave. Alors, déjà, voyons voir. La texture. Alors ouais, c'est gras. Effectivement. On est sur du crayon gras. C'est pigmenté. Au niveau de la saturation, c'est pas mal. Parce que je suis en train de passer. Et franchement, c'est pas mal la saturation. Là, c'est saturé. C'est pas mal du tout. Voyons voir un petit dégradé. En plus, moi, je fais beaucoup de dégradés de vert. Donc, comme ça me permettra de voir. J'en suis pas du tout servie. Hein. J'ai fait le nuancier, mais c'est tout ce que j'ai fait. Je les ai pas testés plus. Ouf, ça se mélange tout seul. Voilà, franchement. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ma foi. Bon, là j'ai un peu. J'avance un peu mon verre. Voilà. Non, franchement, c'est pas mal. Hein. Bon, après, des dupes des Prisma. Ouais, je sais pas. Je dirais peut-être pas jusque là. Alors, on va tester ces deux-là. Je pense qu'on est quasiment sur les mêmes teintes. Hein. Donc là, c'est Artix. Artix. Et là, c'est Prisma. Wow, ils sont un petit peu moins gras, mais en fait pas tant que ça, hein, parce que c'est mon papier en fait qui donne l'impression que les crayons sont moins gras, mais quand je teste là, c'est pas mal. Hein. Bon, j'écris à l'arrache, mais franchement, c'est pas mal. Hein. Bon, on voit pas tant que ça la différence. Hein. Je suis choquée quand même. Les Américaines avaient-elles raison ? Ah ah ! Bon, on va tester un dégradé. Donc là, on fait un dégradé Prisma. Tac. Enfin, de toute façon, je crois que les quelques... Enfin, les filles qui les ont, elles sont contentes. Hein. Il me semble que, de toute façon, ils ont des bons retours. Donc, c'était plutôt encourageant de les tester. Là, vous avez un dégradé Prismacolor. Et au niveau d'un dégradé, il n'y a pas un vert un peu plus foncé là. Si, ça serait mieux. On va plutôt faire ça. On va faire un dégradé Artix. Je vais me dépêcher parce que je sens qu'elle va en avoir marre dans 5 minutes. Ouais, il se dégrade moins bien quand même. Hein. Ouais. On a plus de facilité avec les prismas, je trouve.
j'ai l'impression qu'elle est au bout de sa vie, mais quand je la regarde pas du tout, elle sourit. Qui tu fais? Oui. Oui, je te vois. Faites des vidéos avec des enfants, tout va bien. Voilà, donc écoutez, vous avez deux dégradés à peu près des mêmes couleurs. Donc bon, ils sont gras, donc forcément ils font des résidus. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Maintenant, on est d'accord que les prismas se dégradent beaucoup mieux, se mélangent mieux, ils sont un peu plus gras. Donc je dirais pas que c'est des dupes. Après, ils s'en rapprochent pas mal. Franchement, dans les petits budgets, parce que là, on est vraiment sur des petits budgets, parce que c'est 30 euros. C'est 30 euros la. 30 dollars, quoi. 30 euros la boîte. Franchement, pour une boîte à 30 balles, sincèrement, c'est top. Moi, j'aurais vraiment aimé commencer avec ça. Hein. Donc, bon, après, si vous cherchez des gammes petits budgets pour les mystères, ou même pour faire du hors mystère. Les arts, ils sont vraiment pas mal. Donc vous avez ceux-là, vous avez les Castle Arts. Enfin, il y a quand même de quoi faire en termes de petits prix. Franchement, si vous aimez les crayons gras, que vous êtes une fan de Prisma, mais que ça vous fait mal au cœur de les défoncer soit dans les mystères, soit dans les colos, je pense que vous allez les aimer. C'est pas les mêmes, parce que les Prisma sont irremplaçables et encore heureux. Sinon, ça serait de l'arnaque de les payer aussi cher. Mais franchement, si vous cherchez une gamme voilà, pour faire du plus, bah ceux-là sont vraiment bien. Et franchement, pour être une grande consommatrice de Broadfunner, notamment dans les mystères, ils saturent beaucoup moins que les Broadfunner. Parce que je le sais, parce que je fais tout le temps des aplats de surface avec. Et je peux vous dire qu'ils saturent moins. Donc, ils sont quand même mieux que les Broadfunner dans le sens où, pour les dégrader, ils sont mieux. Par contre, au niveau gras et pigmentation, c'est pas spécialement mieux que les Broadfunner. Franchement, non. Je dirais juste qu'ils sont mieux au niveau de la saturation, donc je dirais qu'ils sont peut-être plus adaptés à des colos non mystères. Voilà. Donc si vous êtes fan de Prisma et que vous n'avez pas envie d'utiliser que ça, franchement c'est vraiment des crayons qui pourraient vous plaire. Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils sont mieux que les Arteza? Est-ce qu'ils sont mieux que les Castle Art Gold? Pas spécialement. Franchement, ils ont quand même moins de teintes, mais ils sont vraiment pas chers. Donc si vous êtes collectionneuse, franchement, n'hésitez pas. Si vous hésitez entre ceux-là, les Arteza, tout ça, les Arteza sont difficiles à trouver en ce moment. Donc franchement, pourquoi pas tester ceux-là? Voilà, c'est difficile. Faut tester par vous-même et puis vous verrez. Mais en tout cas, moi, mon avis, c'est très positif. C'est des bons crayons. Ils sont pas chers. Ils sont pigmentés. Ils se mélangent bien. Ils sont gras. Franchement, ils sont top. Après, au niveau du nuancier, trop de jaune. Malheureusement, ça, c'est un défaut là. Que je trouve, donc franchement pourquoi pas. Et en ce qui concerne les Arteza pastel, franchement ils sont vraiment top. Je trouve qu'ils sont mieux que les Castle Art tint, un peu plus gras et il y a plus de couleurs. Donc bon, il y a deux couleurs de plus, mais c'est quand même deux couleurs de plus et ils sont moins chers. Donc franchement, si vous voulez du crayon pastel, n'hésitez pas. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit en MP sur Instagram. Je réponds à tout le monde. Voilà, je vous fais des bisous et je vous retrouve à très bientôt.